La dernière fois, en ma connaissance, on remonte à Addis-Ababa, à la marge du sommet de février 2019. Bien sûr, il y a toujours eu des contacts avec les représentants et hauts fonctionnaires onusiens, que ce soit avec le président de la République ou avec le représentant permanent sahraoui auprès des Nations Unies. En outre, il y a eu des rencontres non officielles entre le président sahraoui et Guterres lors de plusieurs événements internationaux. Et ce qu'il y a de nouveau dans la médiation et les efforts onusiens, il faut aussi remarquer qu'il y a eu plusieurs signaux récents qui peuvent nous pousser à croire que les Nations Unies, soutenues probablement par l'administration américaine, veulent donner un coup de pouce aux efforts visant à faire bouger le dossier du Sahara occidental.